C'est polluant, certes, mais de nos jours, on utilise de nouvelles techniques qui nous permettent de faciliter le recyclage de ces pièces en les réutilisant directement ou sinon on peut s'en servir ailleurs, par exemple dans des renforts pour les routes. Et oui, le plastique, ça se recycle. Le plastique aura une seconde vie, il sera utilisé dans diverses applications. Mais qu'est-ce que le plastique exactement ? Le plastique, il y a différentes techniques de transformation. Il y a l'injection. L'injection, une des techniques les plus utilisées. Donc, un cycle d'injection. Ouverture du moule. Éjection de la pièce, prise par le robot. Dépose sur le tapis. Fermeture du moule. L'extrusion. L'extrusion soufflage. Généralement utilisée pour faire des bouteilles. Bouteilles d'huile. Cosmétiques. Et encore des réservoirs de carburant. Pour faire du packaging, de l'emballage ou encore d'autres types de produits. Voici un cycle de thermoformage. Après chauffe du film plastique, le matériau est ainsi transformé. BTS Thermoplastic, finally, learning of technique of production tool of conception of product and animation of team. General material subject, mathematics, physical, chemistry, with the aim of developing the mobility of the student during this training, it's possible to make a training course in company of plastic processing. Mmh.